Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On fait des guettas de pas de greffe. On va viser un jet near perf de mage au sort. Et à terme, il me faudra ce jet avec un PO. Il m'en faudra 5 des guettas de pas de greffe comme ça pour du PVM. Donc, on y va. Là, on fait un jet complet, c'est-à-dire avec soin, avec prospection, avec dopou, ce qu'on met pas systématiquement sur cet item. Et là, je fais vraiment du jet total. On a 67 depuis, là il y a déjà quelques runes qui sont passées vite fait. Le problème c'est qu'en fait j'ai pas la place pour tout afficher donc je cache le PM. Donc des fois je mets quelques runes à me rendre compte qu'il a sauté. Il y aurait peut-être un petit truc d'ergonomie à voir. Ce serait bien qu'on puisse dézoomer en fait en FM pour voir systématiquement toutes les lignes qu'on veut, mais bon, c'est du détail. Alors 67, faut qu'on gère la vita. On va pas vie. J'ai presque envie de gros ravi, mais. Non, on va double pavi. On a moins 3. J'ai presque envie de ravi. Admettons que je ravis. Moins 10. C'est juste une théorie. Bon, je pourrais mettre un dommage et avoir moins 25. Vas-y, on va faire ça. Hop. Pourquoi je reset, moi? Je suis complètement fou. On avait donc 64. Hein. 64 moins 10. Ok. Donc, maintenant, on va gérer l'intel. Moins 20. Voilà, ça va être un peu technique d'aller au bout. On va voir comment on s'en sort. Le crit, ok, on récupère. On va remettre les dos. Moins 3. Il reste 31. Allez, il faut un crit à ça. Pas de crit à ça. Bon, bah c'est mort. Pas de PM. Next. 77 depuis. Alors, pour la Vita, encore une fois, c'est pas ouf. Alors là, je peux avoir le perf sagesse par contre. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de grosses runes à passer, hein. C'est un peu compliqué. On va déjà pas trop grid. On va voir comment ça se comporte comme ça. Tant pis pour la Vita qui va être un peu moche. Quand est-ce que je mets la Rasa et la pas de crit? C'est ça la question en fait. Le reste à la limite. Vas-y, je vais faire juste mes over. Nice. Oh! Franchement, voir dans l'historique un crit Rasa. Et un crit, pas de crit, ça fait partie des petits plaisirs de la vie. Non, mais il faut savoir les savourer. Repair. Dommage. Le soin. Moins 20. La PP. Moins 6. J'ai 11. Alors, j'ai pas de quoi faire une tenta d'eau perso, mais je peux mettre des pavipodes. Dommage. Je peux tenter un cri de chat. Non. Ok, bon, non, j'ai moins 4 vita, perf sur tout le reste, y compris soin, prospection, dopou, ce qui est quand même pas mal pour des guettas pas de greffe. Si on a le PM, ça prend une transe, même si je suis un peu tristé par la vita, mais bon. On n'a pas le PM. Bon, il m'aura fallu plus d'une demi-heure pour faire sauter le PM depuis le dernier puits en spammant les runes. Vraiment abusé. Probablement parce qu'il y a beaucoup de lignes sur l'item et que j'en néglige aucune, ce qui fait que ça a moins de chances de taper dans le PM. C'est la seule explication que je vois parce que là, ça fait vraiment beaucoup. Bref, on a 77. On va go, ravi. Ouais, moins 20, ça pique déjà. Pod. Je vais pouvoir raage. Bon, c'est mort, hein. Moins 30. Finito. À moins d'avoir giga turbo crit sur les grosses lignes, mais j'y crois moyen. Il nous faut la PP. Moins 6. Moins 5. Bon, en vrai, crit pas d'eau, crit rasa, c'est réglé, hein. Pas de crit. On continue. Bon, celui-ci est venu beaucoup plus vite, ça fait plaisir. Alors la question, c'est les stats. Comment je les gère?
Je peux soit y aller au pas, soit au ras. C'est vraiment ça qui est un peu compliqué. Je peux faire des rats et récupérer sur des repères. Là, j'ai un jet qui est globalement pas mal dans l'ensemble. Je pense que je vais go double rat. Parce que les raies qui retombent dessus parfaitement, c'est nickel. Voilà, bah j'ai bien fait. Parce que les pas, ça peut quand même taper beaucoup beaucoup de pieds avant de passer à 60, c'est un peu compliqué. Alors pour la Vita, on va y aller très gentiment. Comme ça. Et on mettra une pavie en plus into pod si ça nous arrange, si ça tombe bien avec le puits qui reste. On va mettre la Rasa maintenant. Ok, j'ai essayé de cliquer vite pour la prendre par surprise, ça n'a pas marché, là non plus, malheureusement. Ok, on a 14, en vrai, le petit soin. Nice! Bah il reste 14. Et ça, c'est full pavie. Ok, dommage. Il reste 2. Je peux rien en faire. J'aurais bien vu pavie pod, ça me mettait à 149 vita, c'était bien. Enfin, si, je peux mettre une runcha. Si je crit une chat, je gagne une tenta. Non, c'est mort. Ok, bon, est-ce qu'on a le PM là-dessus, les amis? Moins 3 vita, moins 1 sagesse. On n'a pas le PM. 87 depuis. Ok, on va go. Full pavie. Ah bon? Ah bon. Ok. Ouais. On m'a dit que les over se faisaient bien comme ça. Bon, j'arrête de compter le puits, hein. J'ai pas envie de me faire du mal. Oh, le misclick. Oh, oh bah oui. Alors, en vrai. Ah! Ouais, bon, c'était pas le meilleur puits de l'année. Hein. J'avais. Ah, puis forcément. Eh ben oui! Forcément, ça repasse là-dessus. Hein. Bon, allez, next. 65 de puits. La pavie. Allez, moins 3. Je pourrais presque. Non, vas-y, c'est bien comme ça. Allez, faudrait passer une rainée, ce serait bien. Ok, cool. On a moins 9. On récupère pas. On va double pas-âge. Ok, moins 12. En vrai, le jet est pas si mal. Il nous faut le rune prosp et le dommage. On a moins 8. Allez, la Rasa. Si on a un crit là-dessus, on est bien pour la suite. On pourra même peut-être avoir une tenta dommage sort. Aïe. Bon. Bah, l'échec Rasa, ça pardonne pas. Hein, c'est catastrophique. Et pas de PM, évidemment. Oh bah, double pas de PM. Miam. Tout ce que j'aime. 82 depuis. Bon, les congruents sont pas trop mal. En vrai, on peut avoir le full perf si j'y vais à la passa. C'est un peu greedy, mais en vrai, on a rarement les full congruences. Donc on va se faire plaisir. Bon, maintenant, il va falloir beaucoup de crit sur le reste, mais tranquille. C'est beau. Au moins, c'est beau. Puis de puits. 87 depuis. On va rainer. Oula. Oula. Ouh, c'est dur ça. Ah, j'aurais pas. J'en ai mis un de trop, my bad. Ok, ça compense un peu. On s'est tapé un combien? On a eu moins 40. En vrai. Je suis bête, j'aurais dû laisser la vitesse à 117. Ça aurait été mieux. Ça passe. J'ai 22 à kick. Moi, j'ai fait n'importe quoi avec ma gestion de mon over là. Toutes mes excuses pour ces bêtises. Allez, un moins 6 et c'est plié. Voilà, let's go, le GPerf. Oui. Tac.
Est-ce que ça passe? Je vais être un peu short là. Dommage. Et on a le PM. On continue. Ah, je suis abattu. Le PM saute, ça fait 15 minutes que j'essaie de le faire sauter et je misclique une de crit et je peux plus mettre de pas de crit. Oh, c'est affreux ça. Et en plus, j'avais les 40 sagesse et la vita perf. Oh, c'est catastrophique. Il me faudrait un crit rasa pour compenser. Oh, je viens de ruiner un puits sur un misclic. Oh, je suis dégoûté. 90 de puits. Bon. On va mettre la réunion directe. Moins 10. Tac. Petite dopou. On va mettre une pavie. Moins 3. Est-ce que je mets une ravie en vrai? Ouais, on va mettre une ravie. Ah, dommage, ça passe pas. Ouh, oh, c'est catastrophique ça. Catastrophique. Vas-y, on va y aller comme ça. La ravie était un très très mauvais call. Allez, il faut un cri de traça ou rien. Ah bah. Oui, oh, ok. Là, pas de cri. Qui veut pas non plus. Dommage. Bon, la ravie était foireuse. J'aurais dû go pavie, ça aurait été plus safe. Puis de toute façon, la passe à qui passe pas à partir de là, c'est mort. Tant pis. 79 depuis. Bon, allez, on va commencer par un bon crit rasa. Ah, 80 depuis. On va. J'ai presque envie de mettre une rune vie en vrai. Est-ce que je mettrais pas une rune vie? Je peux faire comme ça. Et ravi. Moins 10. Bon, les ravis, elles passent pas très bien quand même. C'est un peu pénible. Ensuite, on va y aller à 52. Ok, moins 12. Allez, faut que les rats, elles passent bien. Moins 10, c'est pas mal. On va mettre une petite rune d'eau, moins 3, moins 20. Pourquoi j'ai mis dommage à 18, mes deux crits? C'est catastrophique. Hein. Ça n'a rien à faire à 18 ce truc. Qu'est-ce que je fous? Honteux. J'arrête pas de bousiller mes tentades, déjà qu'elles sont très longues à venir. Bon, je suis un peu fatigué, mais ça n'excuse pas tout. Désolé, je fais n'importe avec mon item là. 80 depuis. Bon, on a la sagesse à 49. Enfin, on n'aura pas besoin de se faire bousiller par la rasa, ça régale. On a un G qui est plutôt pas mal, là. Il faut juste qu'on passe la rage. Ok, moins 20. Rune d'eau. Allez, la pas d'eau crit, c'est maintenant. Nice. Ok, on a passé les pires runes. Il reste plus que des petites runes, maintenant. On va mettre les raises. Moins 18. Le dos, moins 10, ouais, ça va être short, hein. Il reste 7. Il reste 2 tentas pour la PP. Pas de PM. 80 depuis, bon j'ai changé un petit peu mon approche de l'item, je monte la sagesse maintenant systématiquement pour ne pas avoir besoin de... En fait pour enlever la variance due au passage de la rasa parce que j'en ai pas besoin, je suis en plus PM. Donc ça me paraît être beaucoup plus safe. C'est un item qui a beaucoup de lignes, donc il se comporte un peu différemment de d'autres items à puits PM plus classiques. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai un peu ajusté ma façon de l'appréhender, puis j'ai fait un peu nimp sur les tentats précédentes, là on essaie un peu de redevenir sérieux. Donc j'ai 80 de puits, on peut mettre tout de suite deux pavis. Moins 6. Une ravie. Moins 10. Pour les stats, on va avoir... Des petits overs à passer. Je les ai maintenus en dessous de 50 pour ne pas avoir des trop gros overs à faire. On a moins 6 ici. Ok, moins 10. On a quasiment passé le pire. Il reste l'over à J. Petite PP peut-être, nice. Moins 1. Il reste la raage. Je pourrais y aller à la paage en vrai. En vrai, ouais, ça se fait peut-être encore bien. Ça me coûtera probablement moins cher. Pas besoin d'over quand la congruence est bonne. Et là, en soi, j'ai plus que la pas de crit à passer et on est quasiment bien. Ok, le crit qui récupère. Écoutez, ça se présente bien. On va mettre maintenant la petite page.
Moins 6. Il nous reste quoi? Il nous reste une repère à mettre. Ben, c'est marrant ce jeu. Dommage, j'avais une repère, une 2 poux et on était fine. Ouah, c'est fun! Ouah! Trop marrant! 85 de puits, on va commencer par la rainée. Moins 10. Qu'est-ce que je fais de la vita? J'ai presque envie de mettre des runes vie, mais. Vas-y, on va pas vie. Petite rune chat. Hop, pas ah ben, moins 6 évidemment. Vas-y, on va spammer les pages. J'ai moins 12. La rainée, nice, moins 10. La page, moins 12. Ah, ça coûte cher. Hein. Rasa, il me faut un crit. Ok, la Rasa qui passe pas, bah c'est mort. On a moins 30. Mais j'ai plus de puits. Dommage. Pas de PM. 87 de puits. Bon. On va mettre une pavie. Ok, le crit. Nice. Peut-être une ruinée. Non. Il y avait peut-être un monde où. L'appâage, moins 3. On va mettre Rainé du coup. Moins 20. On récupère ici. On va mettre l'appât de crit maintenant. Ok, nice. Ça se présente plutôt bien pour l'instant. Il suffisait que je parle évidemment pour me faire karma instant. 35, en vrai ça va. J'ai envie de mettre la passa. Mettre la prosp déjà, moins 3. Passa, soin. Ah, c'est dur. Bah, c'est fini. Il nous reste 5. Catastrophe. Et on n'a pas le PM, dommage. 85 depuis. Bon, j'ai revu légèrement mes exigences à la baisse. J'étais parti dans l'optique de faire un G full perf avec soin. Finalement, je vire le soin parce que ça ira très certainement sur du crad. J'ai aucun sort qui soigne. Je m'étais dit, bon, ça fera plus stylé et tout. On va faire des vrais G. Mais 120 de poids pour Caudal, ça rend le FM trop pénible. 85 depuis, du coup, je garde quand même les deux poux, même si ça pourrait être aussi discutable. On va essayer de faire quelque chose de stylé. 85, on va go. En vrai, je pourrais ravi avec bidouiller des pods et compagnie, mais. Entre nous. Ça peut se tenter. Hein. Est-ce que je vais faire ça? Non, on va y aller comme ça. Rainé, moins 20. Pavie, alors. Ouais, bon. C'était pas exactement le plan, mais on va dire que ça ira. On va couler la petite rune chat. Je vais mettre la pas de crit maintenant. Ok, elle passe plutôt bien les pas de crit pour l'instant. Là maintenant il faut spammer les pages. Allez, allez, on y croit. J'ai hésité à y aller sur de la rat. Ça fait mal ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aïe, 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 aïe. C'est moins 36. Le crit. Reste 4. J'ai pas ma tente à pas ça. Évidemment, on a le PM. Ouah, je suis abattu pour la J qui nous a troll. J'ai pas ma tente à pas ça. En vrai. Est-ce qu'on accepte ce G? Bon, l'avantage c'est que là j'ai la prospection, je suis maxé sur les stats offensives, y compris Dopu. C'est plutôt pour du stuff farm, aller plutôt sur du Kra ou autre. C'est compliqué, j'ai un peu du mal à appréhender ce que je veux faire sur cet item. En plus il y a le problème du fait qu'on a pas toutes les lignes de visible quand on prend toutes les lignes, parce qu'il n'y a pas assez de lignes sur l'interface, ce qui est hyper hyper pénible pour faire le FM. Je suis un peu perplexe. Je pense que je vais trans 2-10 machin.
Et de toute façon, on en refera plein des pas de greffe. J'en ai besoin de plein. Et en plus, ça se vend hyper bien parce que tout le monde recherche ça. C'est utilisé par tout le monde en farm. Je pense que je vais trans là-dessus. On va accepter ce G comme ça. Mais il faudra que j'en refasse plein et on ira chercher des trucs de plus en plus beaux. Je pense que c'est à mon avis le plus raisonnable. Mais voilà, il va vraiment falloir que je continue à en faire pour ajuster vraiment à quel niveau je mets mon curseur d'exigence sur l'item. Et parce que je répète que mon objectif à terme, c'est d'avoir du Dodi PO. Donc avec les soins, ça me paraît assez illusoire. Bon, ça peut se faire, hein, mais c'est du giga tryhard. Et là, quand je vois déjà le mal qu'on a à sortir un Nirperf, voire un Exododi sans trans, en utilisant juste le PPM, c'est déjà assez pénible. On verra bien. Hop, ça part. C'est jouable en farm. C'est quand même correct. Et c'est quand même plus beau que la majorité de ce qu'on trouve en HDV. Et dès que je veux remplacer l'item, je vends celui-là sans aucun problème avec une plus-value et j'en refais un autre. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette petite vidéo AFM. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Petit passage de rune trans pour un abonné qui m'a demandé de lui signer son item. Comme quoi, des fois, les gens me demandent carrément. Au grand détriment du chat YouTube. Donc, petite ceinture corruption, sympatoche, exodosaur. Hop. En rune trans.